Soudassoumi se réjouit de l'aboutissement de ce long processus qui a d'abord commencé par la revue de la presse de Bonferré de tous les jeudis. C'est avec Mustapha Abdrahman Zangoma. Le président Bazoum étonne malgré l'absence de toute opposition qui le générait dans la mise en œuvre. La page des sports à présent, comme chaque vendredi, avec Abdelaziz Mamadou. La Ligue régionale de football de Niamey connaît son représentant pour le Caredas en vue de la. Content d'avoir leur carte carburant. Mais Ouriba vous offre plus. Oui, désormais Ouriba met à votre disposition Ouriba Wallet. Ouriba Wallet vous permet de payer, de consommer et d'offrir du carburant partout à partir de votre téléphone. Également de contrôler, de consulter votre solde en carburant en temps réel. Bref, de gérer votre carburant en toute sécurité et en toute simplicité depuis votre bureau, votre salon, au marché, partout. Comment ça marche? Avec mon téléphone Android, il suffit que j'aille sur Play Store. Au niveau de la recharge, je mets Ouriba Wallet et après j'installe l'application. Après l'installation, démarrez votre application en saisissant le numéro de la carte Ouriba. Entrez ensuite votre numéro de téléphone, validez en tapant votre code secret, puis confirmez. Avec Ouriba Wallet, vous avez la latitude d'offrir des tickets électroniques en carburant à vos proches, parents, amis et connaissances. Consommables dans toutes les stations d'essence Ouriba, sur toute l'étendue du territoire national. Tout ceci se fait depuis votre téléphone. Pour plus d'informations, contactez le 92 18 30 20. Ouriba Wallet, l'application qui change positivement vos habitudes et vous simplifie la vie. Bonsoir, merci de nous recevoir à travers cette grande édition de 21h de la télévision Bonferré. La campagne nationale de communication pour la santé a officiellement lancé ce matin la mise en œuvre par Save the Children sur financement de l'USAID. Cette campagne vise à accompagner le ministère de la Santé publique dans ses interventions sur la santé, l'hygiène, l'environnemental et la nutrition. Boubacar Amadou et Mohamed Djouri. La présente cérémonie consacre le lancement officiel de la campagne nationale de communication pour la santé Garkouar Al-Oumma. Cette campagne vise à consolider et renforcer la promotion d'un ensemble de comportements sanitaires prioritaires pour le Niger. Garkouar Al-Oumma est mise en œuvre conjointement avec le programme Breadstring, basé à Save the Children et financé par le gouvernement américain à travers l'Agence américaine pour le développement international USAID. La première vague de la campagne Garkouar Al-Oumma démarre officiellement ce jour, mardi 13 décembre 2022, et se poursuivra jusqu'en 2023. Cette campagne constitue une opportunité pour le ministère de la Santé de mettre en œuvre des nouvelles approches efficaces et novatrices en manière de changement social et de comportement pour améliorer la qualité de vie des populations nigériennes. Garkouar Al-Oumma met l'accent sur la nutrition, la lutte contre le paludisme, la planification familiale, l'hygiène, la santé maternelle, néonatale et infantile. Notre but à travers cette initiative est d'aider à relever les défis en matière de santé. Le projet Breakthrough Action apporte une assistance technique au ministère de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales, afin de l'amener à mieux coordonner toutes les interventions des changements sociaux et des comportements, aussi bien en interne qu'avec les partenaires extérieurs. À travers cette campagne, le ministère de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales
sera soutenu pour développer une approche collaboratrice et intersectorielle des partenaires de développement, mais aussi une approche de collaboration, d'apprentissage et d'adaptation pour assurer la pertinence et l'impact des interventions. Promouvoir un état de bonne santé nécessite donc la prise en compte de nombreux déterminants qui sous-tendent cet état de santé. Cela implique le développement d'une compréhension profonde du comportement humain et sociétal et des interventions basées sur des données pour déclencher une action en faveur d'une adoption accrue des comportements sains par les individus, les couples et les familles, tout en influençant les normes sociales qui sous-tendent ces comportements. C'est pourquoi mon département ministériel apprécie à sa juste valeur l'initiative de l'USAID et des organisations partenaires de mettre à la disposition du Niger le projet Breakthrough Action. La campagne Garkouar al-Umma est un des premiers jalons dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de changement social et comportemental 2022-2027 du ministère de la Santé publique, des Affaires sociales et de la population, dont la première vague démarre le 15 décembre prochain. Cette campagne couvrira l'ensemble du territoire national à travers une large diffusion et une campagne nationale de sensibilisation. Un autre lancement, mais cette fois-ci au niveau de l'hôtel Terminus de Niamey, des activités de l'incubateur du projet Shiga à l'USAID. Il est donc question du rôle des organisations de la société civile dans la mise en œuvre de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité. Achatou Mahamadou Ibrahim. Femmes, Paix et Sécurité est la thématique retenue pour le lancement des activités de l'incubateur, un programme mis en œuvre dans de nombreux pays à travers le monde, soutenu par l'Organisation des Nations Unies, ONU, et le gouvernement américain à travers l'USAID. To support aspects of this national action plan. Donc, pour que ça soit autour de ce plan d'action national. That we take this capacity building very seriously. Pour nous, le renforcement des capacités est quelque chose de très important. So we will be working with all of you. Nous allons travailler avec vous tous. To collect what we call baseline information. Pour collecter ces données de base, de référence. So that we can compare the starting point. Pour qu'on puisse comparer les niveaux avec lesquels nous avions commencé. With each of you. Au niveau pour chacun de vous. And the end line, the conclusion of the program. Et maintenant à la fin du programme. So please bear with us as we ask you a lot of questions. Donc soyez patient quand on vous pose beaucoup de questions. Ce processus d'incubation des organisations de la société civile est une innovation développée au Niger dans le cadre du projet Shiga de l'USAID, un programme qui envisage d'atteindre un certain nombre d'objectifs. L'objectif 1 se focalise sur le renforcement des capacités de la société civile à promouvoir, à plaider et à défendre les politiques publiques. Quand on parle de politiques publiques, il y a les décideurs, c'est eux qui adoptent les politiques publiques et les mettent en valeur. L'objectif numéro 2 de Shiga travaille sur quelques institutions publiques sélectionnées qui jouent un rôle prépondérant dans la marche du pays pour les aider à mieux mettre en œuvre leur agenda. Le volet qui crée les espaces constructifs d'engagement. Ce que nous appelons espaces constructifs d'engagement. Vous êtes tous sur des domaines, des thématiques qui vous sont chères. Souvent, vous faites des recherches. Souvent, vous avez des plaidoyers. Mais il faut rencontrer le décideur pour discuter du thème, pour faire un plaidoyer sur le thème. Pour cela, il faut avoir un espace d'engagement. C'est ça l'objectif 3. À travers ce lancement des activités de l'incubateur, le rôle des organisations de la société civile dans la mise en œuvre de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité est mis en avant. Au cours de ces 12 mois,
une classe de 10 à 12 organisations de la société civile sont renforcées sur le plan organisationnel et la pratique spécifique du plaidoyer en matière de politique publique. Et puis, l'hémicycle de l'Assemblée nationale a servi de cadre ce matin à la journée d'échange parlementaire initiée par le réseau nigérien pour le suivi et l'évaluation. Elle a donc pour but la vulgarisation de la politique nationale d'évaluation du Niger. Youssouf Haidara et Rabi Labo pour les précisions. Promouvoir la bonne gouvernance au Niger, c'est l'objectif que s'est fixé le réseau nigérien pour le suivi et l'évaluation RENS à travers la vulgarisation de la politique nationale de l'évaluation. Par ce café au sein de l'hémicycle, RENS, avec l'appui de ses partenaires, ambitionne impliquer les parlementaires dans l'évaluation de la bonne gouvernance au Niger. Nous sommes à l'Assemblée pour promouvoir la mise en œuvre de cette politique nationale d'évaluation qui a été adoptée depuis septembre 2019 et qui a pour objectif aussi de contribuer à la promotion de la bonne gouvernance en renforçant le cadre institutionnel de l'évaluation, en renforçant les capacités nationales des acteurs en évaluation. Cette initiative du RENS est saluée à sa juste valeur par le ministère du Plan et l'Assemblée nationale. Pour les parlementaires, cela est une occasion offerte aux députés afin qu'ils s'en approprient de l'outil d'évaluation que la politique nationale d'évaluation. La politique nationale d'évaluation du Niger a pour objectif global de contribuer à la promotion d'une bonne gouvernance. Plus spécifiquement, elle vise à développer la culture de l'évaluation, ce qui permettra à terme d'améliorer la performance dans la mise en œuvre des actions de développement. Elle constitue un immense instrument d'évaluation dont peuvent se saisir les honorables députés pour exercer pleinement le contrôle de l'action du gouvernement comme il a été consacré par la Constitution en vigueur. Selon une étude diagnostique de capacité nationale en évaluation réalisée au Niger, l'évaluation est pratiquée à 63% en partenariat avec l'administration publique. Et les résultats de ces évaluations sont publiés à 57%. C'est pour améliorer la pratique de l'évaluation que la politique nationale d'évaluation a été adoptée en septembre 2019. Je voudrais remercier le réseau nigérien de suivi évaluation pour cette viable initiative d'organiser ce premier café d'évaluation à la représentation nationale. Au cours de cette journée d'échange, les parlementaires seront édifiés sur la politique nationale d'évaluation à travers plusieurs panels qui seront animés par d'éminents chercheurs. La journée sera sanctionnée par la mise en place d'un réseau parlementaire pour l'évaluation. À quand la fin de la violence en milieu scolaire? En tout cas, cette question taraude l'esprit des Nigériens depuis pratiquement quelques temps. Un enseignant du centre Issaberi de Niamey a été victime d'une agression récemment de la part donc d'un élève du centre Issaberi. Une situation qui est très préoccupante et interpelle à tous les acteurs du domaine. Plus de précisions dans ce compte-rendu. La recrudescence de la violence en milieu scolaire visant particulièrement le personnel enseignant de plus en plus inquiétante dans les établissements scolaires de Niamey. En effet, un enseignant du centre Issaberi de Niamey aurait été physiquement agressé par un élève du centre la semaine dernière, ce qui a coûté à l'exclusion de l'élève en conseil de discipline et l'enseignant qui s'est vu affecté de l'établissement au même moment. C'était sur le terrain. Il a remarqué qu'il a attrapé une fille d'une manière qui n'était pas assez conforme, quoi. Et lui, le propre professeur, il l'avait interpellé par rapport à ça. Il lui a dit de lâcher la fille. C'est ça qui a fait en sorte qu'il l'a agressé, puisqu'il était ivre. L'élève était ivre. Quand le professeur l'a interpellé, il lui a dit de lâcher la fille, lui, il l'a agressé. Et il a fallu l'intervention des élèves pour retenir le garçon, puisqu'il voulait le taper. Il a attrapé son col. L'administration, elle, je pense que même au début, quand le prof était parti signaler ça au proviseur, il a appelé l'élève pour lui dire de demander pardon.
C'est depuis ce temps-là que les enseignants ont commencé à parler. Ils ont dit, mais cette affaire-là, elle est grave. Demander pardon ne va pas la résoudre. Si c'était le col du proviseur qu'il avait attrapé là, est-ce qu'il allait le laisser comme ça? Aussitôt imprégné de la situation, le bureau des parents d'élèves du centre Issa Biri de Niamey dénonçant cet acte. Gaskiya mu abin da zamu hadi a cikin wannan abu. Le message que nous avons, c'est un message d'éducation. Nos enfants ont besoin d'être bien éduqués. Vraiment, nous, en tant que parents d'élèves, nous dénonçons cet état de fait. Pour le secrétaire général de l'UEPTN, l'exclusion de l'élève en question n'est pas la solution. De manière principale, si le conseil a siégé, on ne reviendra pas faire et remettre en cause le conseil qui a déjà décidé. Mais par la suite des choses, ces enseignants se sont évertués à développer certaines idées qui aussi ne font pas plaisir. Parce qu'aujourd'hui, d'abord, eux qui enseignent qui nous enseignent ne doivent pas être ceux qui demandent qu'on nous exclue. Parce que exclure un enfant de l'école ne sera jamais, c'est-à-dire un gain de cause pour un enseignant, quelle qu'en soit son indélicatesse. Cette situation a amené les enseignants du centre Issa Biri à observer un arrêt de travail depuis la semaine dernière et ils ont eu le soutien des élèves du centre Issa Biri. Aux dernières nouvelles, la situation s'est stabilisée, les cours ont repris ce matin, mais l'élève et l'enseignant restent toujours en dehors de l'établissement. Depuis quelques années, les établissements scolaires sont devenus des lieux de violence de tout genre et des véritables carrefours de consommation de drogue et autres stupéfiants. Depuis la rentrée des classes de cette année dans les écoles de Niamey, c'est une dizaine d'enseignants qui étaient victimes d'agressions de la part de leurs élèves. Il faut aussi préciser dans cette affaire des cadres et de fédérations des enseignants du secteur de l'éducation. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à toutes et à tous. Prochain rendez-vous de la rédaction demain, Inch'Allah, à partir de 12h30. Très bonne réception. Au revoir.